Salut à tous, une vidéo qui sera liée à l'article Vieux Geek et c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Car je vais parler d'un OS mythique dont la descendance est actuellement utilisée par des ordinateurs qui coûtent la peau du fion. Désolé de le dire ainsi. Je parle bien sûr d'OpenStep 4. OpenStep 4, vous ne connaissez pas? Il faut remonter en 1985. Un certain Steve Jobs se fait foutre à la porte de la boîte qu'il a fondée, Apple. En réaction, il crée Next pour inventer une nouvelle génération d'ordinateurs et il va mettre au point, avec des ingénieurs, un système qui va s'appeler Next Step, pour prochaine étape. Au fil des années, Next restera assez confidentiel, même si les machines Next ont permis de développer la toile, le World Wide Web, ou encore ont servi de base au développement de certains jeux mythiques comme Doom et Quake. En 1997, Steve Jobs revient aux manettes d'Apple et son projet, qui s'appelait Next Step, pour le système s'appelait Next Step, devient OpenStep. La dernière version, c'est la 4.2. Je dois remercier la personne qui a mis en place ce guide d'installation parce que sinon, je n'aurais jamais réussi à le mettre en place. Parce que OpenStep est super casse bonbon à mettre en place. Vous aurez lu dans le descriptif. Bref. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à mettre en route OpenStep. Donc, j'ai mis 256 Mo de mémoire vive et on va se replonger en 1998, année de sortie de l'ultime version d'OpenStep. Parce qu'il servira de base à ce qui s'appellera Rhapsody et qui deviendra macOS 10. Voilà. Donc vous allez voir à quoi ressemblait cet environnement. On est parti. Normalement, il devrait démarrer. C'est une base Unix, un BSD, avec une interface graphique assez sympa. Donc, normalement, il devrait démarrer. Croisons les doigts. En tout cas, démarrer hier quand je l'ai mis en place. S'il ne démarre pas aujourd'hui, je lui fous de claque. Voilà. Et vous allez voir ce qu'était cet environnement. Il était assez bien conçu pour l'époque. Donc là, je vais couper parce qu'il y a un petit problème de connexion réseau. Donc, c'est pas grave, il n'y aura pas de réseau. Mais ça va vous montrer à quoi ressemblait déjà. Voilà. Donc, j'ai mis du 800-600. Et voilà. Bon, c'est normal, ça c'est un bug. Même si c'est OpenStep, on a toujours le logo Next. Par contre, il y a un petit décalage horaire par rapport à l'heure. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez l'interface de base d'OpenStep. C'est quand même mignon comme interface, surtout quand on sait que c'est 1998 et qu'à l'époque, Microsoft propose Windows 98. Donc voilà. Ah, mais bon, c'est en franglais, mais si on regarde bien dans les informations. Workspace Manager 88-96 Next Software. Voilà. Même si c'était OpenStep, c'est toujours le logo Next qui se trouve dessus. Les informations légales, voilà. C'est-à-dire que là, on avait une barre sur le côté qui servait de barre de menu à l'ensemble. Quelle que soit l'option. On a sur le côté tout ce qui est outils de base. Le recycleur, ça permet de tout ce qui est détruit. Voilà. Voilà l'interface à quoi ça ressemblait. Donc, par exemple, si je veux supprimer ça, l'inspecteur d'archives, je peux l'extraire si j'en ai envie. Mais si je veux la supprimer, crac. Voilà. Et si je pose qui je fais ça. Je ne sais pas comment on fait pour prouver le recycleur, je suppose que c'est ça. Service. Non. Fenêtre. Je ne suis pas trop habitué, mais voyez quand même, c'était entièrement conçu pour travailler avec la souris. Vider le recycleur. Voilà. Et la plombée est vidée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Là. Alors les préférences. Vous allez voir les préférences. C'est assez, bon, c'est toutes les préférences du dock. Voilà, le dock, l'étagère, le navigateur de fichiers, les icônes.
option du disque, comme ça découpe des fichiers, voilà. Bon. C'est en fonction de l'outil qu'on en sait. On peut très bien naviguer sur les emplacements. Je veux ouvrir le CD d'installation, pas de problème. Voilà. Donc ça, si je veux quitter Grab, crac, je fais cut, quit. Webster, je sais pas ce que c'est. C'est même sur l'application web. Voilà, vous avez l'ensemble des applications. Mais si je vais là, là c'est sur le disque dur. Donc, alors les préférences. Peut-être que si on double-clique ici, voilà les préférences. On pouvait localiser l'ensemble, mettre l'heure en place. Pas de mot de passe. L'heure, donc là, je vais décaler d'une heure parce que voilà, réglé. Bon. Tout ce qui est mot de passe, le clavier, la souris, l'affichage, le son. Par contre, le son, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Peut-être. Que le son fonctionne mal. Tout ce qui est police. Les emplacements du menu. Tout ce qui est. Et bien sûr, c'était Unix en dessous, avec tous les réglages Unix. La préférence d'expert, du son, etc. Donc là, préférence pour les quitter. Crac, on quitte assez les préférences. C'est vraiment. Mais bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc, on va quitter les préférences. Mais bonsoir, bonsoir, je veux l'heure. Voilà, ça semble peut-être comme ça. Donc, si on veut enlever un truc, crac. On veut rajouter un truc, pas de problème. L'interface est entièrement modulaire. Préférence, non, c'est pas ça que je voulais. Alors, j'ai pas trop l'habitude donc. Mise à jour des fenêtres, outils. Dans les préférences, peut-être. Installateur, build disk, non, c'est pas ça. Next app, peut-être. Voilà, préférence. On va le mettre ici. Voilà. Donc là, on va rester sur l'heure. Oui, c'est quand même entièrement en mode objet. Voilà, donc ça. Donc en fonction. Voilà. Donc là, on a ça comme ça. Vous voyez, c'était entièrement orienté objet. Si je veux par exemple lancer un éditeur de texte, paf, j'ai tout ce côté information, les préférences, et on avait directement en texte enrichi ou en texte seul. Voilà. Et si je voulais enregistrer, on va mettre, je vais mettre OpenStep 4.2 en gras, par exemple. Typographie, je vais mettre en gras. Boum. Et normalement, voilà, donc j'enregistre. Fichier enregistré. On va mettre essai. Là, je quitte lui. Je vais dans mon répertoire utilisateur. Et je vais fichier et c'est pour RTF. Je pouvais le réduire. Le rouvrir. C'était quand même pas mal pour l'époque. Il y avait tout ce qui est co-électronique, gestion de bibliothèque aussi. C'était entièrement orienté à objet. On pouvait imprimer directement. C'était vraiment très puissant pour l'époque. Je vais rajouter un truc dans les applications. Par exemple, je vais rajouter une application au doc. Donc là, par contre, il n'y avait pas le alt tab.
C'est ça qui est un peu chiant, il n'y a pas d'alt-tab. Bon. Quitter, voilà. Par exemple, une application, je vais en mettre une autre. Mais je vais mettre par exemple Webster. Déjà le Webster. Si j'ai envie de le rajouter à la barre latérale, crac, je quitte. Et j'ai rajouté mon icône. Je vais la sortir, pas de problème. Crac, elle est sortie. C'était vraiment orienté objet. Et bien sûr, le terminal. Si on fait imputer uname moins A, vert peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait faire? Quiz. Voilà, c'est vraiment Unix en dessous. Uname peut-être. Non, uname. Machine. On voit que c'est du 486. Il y a d'autres, bon, les gestions. Oui, il y avait quand même pas mal de petits trucs. Et là, c'est qu'un démo. Bien sûr, on pouvait après ça. C'était vraiment de l'orienté objet. Mais c'est vraiment un OS qui est très précurseur. Ah oui, il y a peut-être quelques démos. Voilà les démos. On va finir avec les démos. Ce qu'on pouvait faire avec. On avait par exemple le lecteur CD. Bon, je n'ai pas de lecteur CD inséré, mais. Voilà. Bon. Tu ne vois pas le CD-ROM drive, c'est normal. Mais il y avait un lecteur CD inséré. Existant déjà. Et en 92, à l'état de CD de 92, oula, c'est quand même pas mal pour l'époque. Donc ça, j'en ai pas besoin. Bon, on peut y aller là-dedans, on va être pis. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un album photo. Toujours développé par Next. Oui, c'était quand même sympa comme truc. On va mettre Open Image. Voilà. Donc je sais pas comment ça fonctionnait parce que j'ai pas trop regardé, mais c'était entièrement pensé pour que l'utilisateur ne se prenne pas la tête. Voilà, quitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sound.app, TextEdit, Mandelbrot, par exemple pour les fractales. Voilà. Couleur, on va mettre Arctique. Gingerbread Man. Ah, vous voyez, il y a même un générateur de fractales. Il y a pas mal de petits trucs, un truc pour dessiner apparemment. Format, fonts, tools. Ouais, vous voyez, on pouvait faire pas mal de choses. C'était vraiment un système excellent. Et on comprend pourquoi il a servi de base à macOS 10 par la suite. Boinken, c'est quoi ça? Oh! Un casse-brique! Voilà, donc là, vous voyez, il y avait même un casse-brique. Bon, là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'était pour vous montrer OpenStep. Et si vous voulez éjecter un CD, pas de problème. Crac, on faisait disque, éjecter. Le CD est éjecté. Voilà, donc je vais éteindre l'ensemble. Et là, bien sûr, on a le logo Next qui apparaît, alors que c'est vraiment OpenStep, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il fallait à l'époque, il n'y avait pas encore l'extinction automatisée par l'ordinateur. Voilà, et maintenant on peut éteindre.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo un peu geekesque vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin montrer OpenStep parce que c'est vraiment ultra chiant à émuler. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!